les équipages partant des marines de Fogolin commencent à préparer leur matériel. Demain, j'avais filmé les voiles de Saint-Tropez. Ça se passe dans ce golfe. D'abord, nous le ferons sur un petit voilier. Ensuite, je partirai sur un bateau public. Beaucoup de monde à bord, mais pour le film, c'est plus facile, car ils suivent vraiment la course. Hier ça allait bien. Non, mais là ça va, ça commence à souffler. Hein? Je sens l'air dans mon dos. On va chercher le médicament. Bon, tu me fous une manœuvre d'homme à la mer, mais quand même. C'est déjà difficile de sortir du port, alors c'est fait. Hier on s'est évité de la faire parce qu'on est fainéant. Tiens, moi qui rentre. Tu l'as mis où l'autre gars? Bah, je l'ai mis à l'intérieur. Ah oui, c'est celle qui est à l'intérieur. Ah oui, je croyais j'en avais qu'une, hein. Je croyais que c'était celle en bois. Que j'en ai eu une en bois et j'en ai eu une autre. Non, mais il vaut mieux en avoir deux à disposition. Ouais, hein. Je la sortirai pour l'arrivée. On va un peu plus loin. Hein. Pour connaître. On va bien de côté là. On va dégager derrière le voilier blanc là. Non, bah alors je peux me mettre face au vent là. C'est ça, hein, pour un faut regarder, elle vient quand Ça c'est les coups. Bon, pour le moment, on peut la relâcher un peu. Commence vraiment à souffler. Allez, là.
Voilà, c'est bon, tu peux... On prend le cap. Ouais, on va vers cette roupée. Voilà, voilà. Les riz étaient serrés hier, donc on n'arrivait pas à monter. À monter avec mon bois. Oh, c'est bon. Là, tu peux éteindre le moteur. Hein? Je vais éteindre le moteur. Ah non, c'est là. Ah, c'est là. C'est là et je vais repousser la manette. Ça n'est pas mort. Allez, ouais. Tu vois. Et tu la pousses, voilà. Alors, ceci dit, c'est un piège. Pour les gens qui veulent partout, parce que comme il n'y a plus de... Enfin, il y a deux choses. Il faut savoir que le contacteur est à l'intérieur, dans la cabine arrière. Qui est caché. Deuxièmement, il faut savoir qu'ici, il faut repousser... Tout le monde est... Tu sais qu'on a cherché pendant un moment. On a oublié de nous dire que c'était la... Oh, je suis partout. Où est la tirette? Comment vous avez fait alors? On a fini par trouver. Ah, fini par trouver. Bon, allez, alors, on envoie le. Qu'est-ce que. Oh, pour. Alors, donc le génois, on va l'envoyer. Alors, je peux encore. C'est ce coup-là. Vous avez un nœud hein, sur le génois là-bas. Hein? Il est ligaturé là-bas, le génois. Oui, là-bas, il n'est pas ligaturé, il est enroulé sur lui-même. Ça va? On est bon là? On va aller pour le vote? Pas de problème, ça va aller comme ça. Là, je vais lâcher parce que Dieu avait l'expérience du concours. Attends, c'est lâché là. Attends, il faut se lâcher là. Si j'ai pas lâché là, j'ai tout remis en ordre. Voilà, c'est bon. On peut y aller là. Attends, il y a quelque chose. Ah oui, descends. Non, pas ça. C'est pas ça. Mais il est ligaturé là-bas. Non, c'est sûr. Gérard, il y a Marie-Claude qui doit avoir un problème. Il faudrait essayer de la remonter un petit peu. On voit pas grand chose. Ça y est, je l'ai vu. C'est bon? Ouais. Mais c'est pas tout. Ah, t'as bien. Qu'est-ce que c'est qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a de... Ah, c'est une... Marie-Claude, elle va tomber là. Comment? Non, elle va tomber. Elle penche un peu trop.
mettre de l'autre côté. Ah, c'est ton ventilateur. Ah, tu verras que ça. Tu le reprends ta barre. Vas-y, reprends ta barre. Maintenant que les manœuvres sont faites. J'aime bien manœuvrer et que les autres barrent. Ah bon, alors, d'accord. Oh, je prends la barre de temps en temps juste pour me rappeler les sensations. Mais c'est vrai que c'est l'exercice. J'ai l'habitude, avant c'était Marie-Claude qui barrait, c'était moi qui changeais les voiles. À l'époque, on changeait les voiles. Moi qui l'ai réglé, bon. Non, mais là, ça repart, là. Hein? Là, on repart. Ah oui, vent de travers. On peut border un peu. Pas trop, pas de génois. C'est la grande voile qui a le besoin. Là, on est vent de travers. Hop, pas tout à fait, grand large. Petit large, je veux dire. Petit large. Ah, Gérard, c'est bon. Voilà. Bon, ça ne pousse pas des masses, hein, quand même. On est assez creux, normalement. Donc, ça devrait manger. Si, là, c'est bien. Mais bon, on va dire qu'on a. Tu me fais comme ça, tu me fais des vagues. Ouais, il n'y a pas beaucoup de visibilité hein, sur le bateau là. Hein? Il n'y a pas beaucoup de visibilité. Non, ben, d'autant que là c'est abîmé, c'est le côté au soleil. Ouais. Je me suis aperçu un peu tardivement. Il faut arriver à choper la mer. Ouais. En dessous, au-dessus, tu vois rien. Moi, si tu veux, je peux ouvrir là par contre. Oui, si tu peux ouvrir une partie de la verrière, ça arrangera les choses. T'as le gros, on va essayer de passer entre Saint-Tropez et puis le groupe. Tiens, prends un peu là-bas. On refermera si on a froid. On se serrait bien au chaud. Oui, c'est déjà plus clair. C'est un peu mieux, non? Oui. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Mais c'est vrai que c'est pas très. Tu as le droit de nous gratter l'autre derrière, là? Oh, un beau bateau, ouais. Oh la vache. Moi, ce sont les bateaux anciens que j'admire le plus. Ouais, il m'en faut autant. Hein? Je suis obligé de remonter à 90 parce qu'il y a le gros blanc qui est mort. Gérard, souris, t'es filmé. Il y a 120, non, il faut que tu choques. Hein? Choque. Ouais, le vent, il tourne. Hein? On est à 100, ouais, le vent est pas stable. On est à 100, mais il faut quand même passer le bateau blanc, là. Mais c'est vrai que... On a l'impression de puissance plus que sur le 32-2. Là. Quand il commence à s'accélérer, on sent, ouais, oui. Ouais. Mais il faut qu'il s'accélère. Hein? Mais il faut qu'il s'accélère. Hein? Ça, c'est pour rien, c'est le vent. Hein? Devant. Hein? Il en manque. Bateau construit à Taïwan, ça. Ouais. Tous les coups.
une voile neuve l'autre. Alors quand j'ai vu le ciel, je me suis dit on va se retrouver avec une mer plate. Ah, c'est possible. Hein? Hier, il y a Christian qui est rentré, il a eu 10 ans, ils sont rentrés une heure après nous, ils ont eu 22 nœuds. Ah bon? C'est par ici. Ah non, on avait 18 nœuds. Ouais. Attention, là, il va virer de bord. Moi, ce qui m'étonne, c'est que ça marche toujours. Ces trucs-là, ça tourne tout le temps, toute l'année, ça tourne en haut, en tête de bras. Ouais. Tu dis qu'à la fin, c'est pas normal. Ça, ouais, c'est juste ça. Ouais, moi, l'année dernière, j'en ai changé. Ah, moi, j'ai changé. Oui, parce que les pales se sont cassées. C'est cassé, mais alors, t'as les piastres qui viennent. Voilà, ouais, c'est les oiseaux. C'est les oiseaux. Ouais, c'est les oiseaux. Alors, moi, ils vont pas le mettre comme ça. Si on vient de côté, c'est vrai, normalement, ils vont pas. Normalement, hein. Sur le bateau, ils avaient écarté l'antenne de ça. Ouais, ce qui est arrivé, il devait arriver à arriver. Non seulement les piafs se posaient sur le bateau là, qui chiait là, mais en plus ils se posaient sur, sur le truc de soutien de l'antenne. Elle a fini par péter. Quoi. Donc moi j'avais la girouette alors, donc Martial, Pop, Montao, le champ, et après c'est un némomètre qui était en panne. Un némomètre qui marchait. Ouais, moi, ça m'a dégoûté. Ah, ouais. Bon. Et là, pas à la mer comme l'autre. Que le, hier, il y avait un coussin qui flottait. Un beau coussin rouge. Ouais. Ouais. Il y avait des risques à l'attraper, il y avait des risques. Tu crois? On était trop rapide. Hey, regarde, regarde le bateau là-bas. Les voiles noires là. Ouais, avec ça comme rouge et noir. Rouge et gris, c'est pas le gris, c'est les voiles noires. Ah, prends le vent. Ouais, c'est pas le vent. Ah, prends le vent. Ouais, tout en temps. Lui, il a du vent, regarde. Donc, il est trop focus. Regarde, regarde, regarde comme les bateaux de. Ah, ah. Allez, marche, ouais, tu peux larguer là. Ah, regardez les autres, regarde ça. Il n'y a presque pas de vent, regarde comme il marche. Mais elles ont des voiles dégueulasses. Hein. Ils peuvent les laver de temps en temps quand même. Ouais, tu trouves que c'est un peu triste. Oui, moi je trouve aussi, ça fait un peu. Ils sont obligés de les ranger une fois qu'ils ont navigué. D'accord, ceux-là. Les UV, ça attaque. Ça attaque le noir? Ah, oui. C'est fragile. Hier, il y en avait complètement noir, on aurait dit de l'atoll. Ah ouais, tu voyais pas les fils, là tu vois les fils, là, tu vois. Ouais. C'est une voile. C'est les wallis qu'on a. Regarde, regarde. Remonte tout près.
là. On est en train. Hein? Avec le Wally qui se tire la bourre. Pour le moment, on est tribord en mur. C'est bon, j'ai le pied marin. Petit. Ah ben c'est lui qui navigue. Il navigue à la voile ou il navigue en chien? Bon, demain je vais filmer sur le bateau public.